comme à la maison, tous les jours dès 10h sur ABK Radio. Avant, je sais que tu peux pas donner les détails de la série que tu vas tourner en Côte d'Ivoire, mais ça sera bien, ça s'annonce bien. Tu as le script, tu as un bon rôle, un vrai rôle. Très bon rôle. Un très bon rôle. Oui. Les gens vont t'aimer. Donc, en fait, ils ont mis le réalisateur, sans me connaître, il a mis mon côté comédie là à l'intérieur, c'est la magie. Ah bon? Quand je fais que, hey, comment tu as su que je suis un petit tintin comme ça? Et comment cool. C'est passé pour que. Alors, il est passé par le biais de Lucie Memba. Boss. Mm-hmm. Ouais. Donc, il a demandé à Lucie, s'il te plaît, trouve-moi une actrice qui peut incarner ce rôle et tout. Elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, voici ton heure de gloire, je te mets devant pas. Et le monsieur ne me connaissait pas, en fait. Mm. C'est un monsieur assez âgé, il ne me connaissait pas. Et depuis, il me donnait, envoie-moi les liens que je te vois. Et quand je lui ai dit, il y a madame, monsieur qui passe. Depuis qu'il y a madame, monsieur, lui-même, il vient au Cameroun. Il m'a dit que non, je dois venir parce que ce que j'ai vu là, ça me il est content, quoi. C'est incroyable, hein. Incroyable. Ouais. Je veux dire que j'aime d'avoir votre esprit. Je crois qu'il n'y a que chez les acteurs qu'il y a autant d'amour. Oui, n'est-ce pas, non. Enfin, chez les acteurs et chez les acteurs femmes. Il y a un esprit, un très bon esprit entre vous. Il y a... Enfin, tout le monde s'aime, ouais. Tout le monde se recommande, mm-hmm. Tout le monde parle de l'autre en bien. C'est magnifique. Mm. La musique, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ouais, c'est compliqué. C'est un peu plus difficile, il y a un peu plus d'hypocrisie. Est-ce que dans la musique, est-ce que tu t'entends forcément avec toutes les vedettes de la musique un peu? Bon, personnellement, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Mm. Mais je préfère gérer mon couloir. Mm. J'aime mon couloir au calme. Est-ce que tu comme moi, je parle de moi, est-ce que tu comme moi as remarqué qu'il y en a certaines qui ne veulent pas te donner le crédit que tu mérites? Ouais, c'est vrai, mais bon, je ne m'accroche pas dessus. Mmh. Mais je m'entends plus, malheureusement, avec les garçons, ouais. Les chanteurs, parce que c'est avec eux que je fais des feats et tout. Quand tu vas avec une fille, c'est un peu compliqué. C'est vrai que tu n'as pas encore fait de feat de collaboration avec une fille? Non, pas du tout. J'étais allée vers Kameni et... Honnêtement, sa réaction m'a choquée. Ça m'a choquée, ah bon? Je te jure. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et dont je respecte le talent, mais sa réaction m'a outre choquée, franchement. Bah, comment est-ce qu'elle a réagi? Je devais sortir mon album depuis l'année passée. Mmh. Et du coup, je me suis dit, si je fais un son avec elle, ça serait bien. Mmh. Donc, on est allé vers son manager, Vera, qui a demandé que je paye. Et nous, on était dépassés. Que non, Mimi, elle va pas payer, chère, like, ok, donc je dois payer, d'accord. Et moi, du coup, c'était mort. J'ai dit que non, c'est bon, je ne veux plus. Et pendant, malgré ça, je suis allée à sa soirée de release party, ouais, de son EP. Ouais. Je suis allée la soutenir. Et pendant qu'on faisait les photos, je lui ai dit, il faut même qu'on travaille sur. Non, vois ça avec mon manager. I was like, ok, wow, is it for real? Non, je te jure, non, vois avec mon manager. I was like, ok, et c'était bon pour moi. Je me suis dit, ok, donc ça va, mon bon cœur. Où je suis tout le temps en train de je viens, non, c'était pour moi c'était bon. Ah, mais c'est dur quand même. Ouais, c'est très dur. C'est très dur, surtout qu'en comparaison, quelqu'un doit payer, franchement. Mais ce genre d'aventure, j'espère que c'est un peu ça qui te fait te dire que finalement tu es mis dans le cinéma un peu. Non, même pas. C'est franchement, si j'ai une occasion, parce que de chanter avec Daphné Blanche et Oubé, moi j'ai pas de soucis. D'ailleurs, il y a l'idole qui veut qu'on fasse un truc ensemble. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas de soucis, j'ai qu'il veut faire. Oui, même de manière qu'on te paye, comme musique, mais payer quoi? Franchement, je ne prends pas l'argent quand il s'agit de faire un film. Ouais. C'est l'esprit, en fait. C'est l'énergie. Si c'est positif, moi, je suis là. Je ne demande rien, en fait. C'est tout ce que je veux. Je veux qu'on puisse s'unir pour pouvoir monter ensemble. Parce qu'il s'agit de notre musique, là, en fait. On défend quelque chose, on défend le 237. Donc, je ne peux pas demander de donner de l'argent. Non, pas du tout. Non, c'est free. Soit tu peux pas, soit tu le fais, mais vraiment c'est vrai. Voilà, d'accord, ok.